voulez faire. C'est une grande aventure. Et là, si vous nous avez suivis dans le podcast, il y a 2-3 podcasts. Hein, on avait joué pour la première fois une console en live avec de la vidéo, mais c'est retransmise. C'est le podcast sur la Super Nintendo. Ouais, sur la Super Nintendo pour fêter son anniversaire. Et il s'était passé un truc un peu exceptionnel, c'est-à-dire un Super Mario Kart entre Bubby et Gookie qui s'est passé d'une manière tout à fait banale. C'est-à-dire qu'ils ont joué d'une manière gracieuse comme et qu'ils ont fini dernier tous les deux en 150 centimètres cubes. Attends, sur une course où il y a des tops et des lacs. Et à mon avis, ils ont la parole plus... était la défense. Oui, on a mais j'ai pas encore accusé. Ah, pardon. Mais c'est juste. C'est juste Kersozon, ils l'ont toujours pas retrouvé au fond. Gookie, voilà. On a joué à Mario Kart. Kersozon? Oui, je m'en rappelle pas non plus, mais. Aucun souvenir de Kersozon! Aucun souvenir de ce truc. C'est Tabarly, pas Kersozon. Non, Bernard Laville! C'est le petit Grégory qu'on cherche. C'est Antoine, le chanteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut expliquer quand même. En fait non, voilà, on avait décidé qu'on jouait avec la télé fermée, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas trop. La télé fermée. N'importe quoi. La télé éteinte, il veut dire. On n'a pas dit qu'on s'était mis en handicap en tout le genre. Bah pas... si. On jouait qu'avec la main gauche. C'est pas vrai. On devait diriger, enfin tout faire en même temps, c'est impossible quoi, franchement. Bon, on va vous dire les gars la revanche de Super Mario Kart sur Super Nintendo. Parce qu'il faut faire vraiment le même circuit. Absolument. Mais c'est pas que je me rappelle. Il y a eu un reset. Attention, attention, reset de la part de Panda. Avec les mêmes persos. Et t'as vu sur le sol là, il y a un morpion. Il y a un morpion. Genre c'est un jeu de branleur. Le mec il a écrit à la craie sur du gazon. C'est vrai, c'est même pas crédible. Je me rappelle on avait fait 150, on est des hommes. Oh, 150, on est des hommes. Voilà. Bon alors. Par contre je me rappelle plus les personnages. Oui, on va pas re-squeezer. Les gars, on va pas refaire le tableau, mais un petit peu quand même. Non mais on s'en fout de qui tu prends, Gookie. Oh non, s'il te plaît. Non, j'avais pris pour refaire pareil. Mais ça tout le monde le sait que tu prends Todd. Allez. Vous étiez moqué. La spéciale, spéciale. Mais le mec il s'est dit, on va faire un décor dégueulasse avec des champignons qui tournent autour des lettres. T'as fini de troller, ouais. Bon si vous voulez la fiche du jeu, ça sert à rien qu'on la refasse. Hein. Vous écoutez le podcast sur, si vous avez le temps, sur la Super Nintendo. Mais arrêtez vous de allez parler. Retrouver l'info. Arrêtez de parler. Non, alors là, ça c'est Gookie qui s'était énervé. Arrêtez de parler, Gookie. On fait un podcast. Arrêtez de parler. Ah non. C'est qui là-haut? C'est pas moi. Bubby qui est tombé deux fois déjà dans le premier lac. Une top sur la gueule. Todd qui se reprend une top. C'est parti. Il y a Gookie avec Todd qui est premier. Attention. Non, 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 non. C'était 8, ça déjà. Todd qui s'est fait. Alors, Gookie qui est dernier, qui est vraiment dernier. Non, non, je suis pas dernier. Non, premier. Non, Gookie s'est fait sophitaliser par une top. C'est des Gookie va reprendre le poste. Mais il y en a un, je vous jure, il y en a un. N'importe quoi. Mais, si, mais si. Non, il y en a pas. C'est pas dans celui-là. Mais tu te trompes. Alors, vérifie, ça. Nous avons Gookie qui est 7ème, Bubby qui est dernier, avec Koopa, 8ème. Il essaie de prendre des raccourcis, de la faire courte, mais il essaie de faire des dérapages en même temps, c'est un peu difficile. Nous avons Todd, donc alias Gookie. Oh, il tombe dans l'eau! Mais c'est pas possible, Gookie, je tombe dans l'eau! Mais on voit que ça, ton pont, il manque des planches! C'est sérieux, arrêtez les mecs! Ah merde! Attention, il a un turbo le dernier, il va sûrement rattraper. Il est sur Gookie. Un petit turbo, il arrive! Ah là 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 là, c'est talon, talon! Faut tenter des trucs, c'est parti! La attends, j'arrive, je te suis! Ouais, tu me suis, salaud! Et moi j'ai 14 pièces, je vais plus vite en principe. Quatrième tour. Ah oui, le nombre de pièces influe sur la vitesse. Ah oui, parce que c'est vrai. Dans les anciens Mario Kart, oui, mais dans les nouveaux, non. Attention, ni Bubby a Bubby, je crois que c'est lui qui est le pire du monde. On va l'appeler Bubby, Bubby le pêcheur. C'est pris un tour. J'ai bientôt m'en prendre un merde. C'est fait doubler par la princesse. Je sais pas si t'as mis un carapace rouge, elle est partie. Il se mange la taupe. Sofitel. Allez, Gookie, t'es toujours 7ème. Qui prend sa revanche quand même là, je crois. Très sérieusement. J'avais pas perdu la première fois. Non, mais il est que 7ème. Je veux dire, 7ème, mais. Il y a 6 personnes. On était ridicule, mais j'avais pas perdu. Ah, il a réussi le pont. Ouais. Ah, magnifique. Voilà, magnifique. Bravo, Gookie. Ouais, enfin, bravo, 7ème. Non, mais bravo, parce que par rapport à Bubby, je suis désolé, mais Bubby, mais n'importe quoi. Tu cherches quoi au fond de l'eau à chaque fois? Il prend le mur. Mais n'importe quoi, t'as cherché quoi? Bubby, il faudra que tu t'exprimes. Hein. Tu termines la course là et tu. Ah, il nous fait une toupie tournante. Enfin, une toupie qui va tout droit, c'est pas logique non plus, mais. Ouais, alors, Bubby, an interview. How are you? Ah, we are so happy. Do you know tonight bien, to see on Mario Kart what happened?
Pourquoi j'ai glissé à la fin? J'essaie de faire Nelson Montfort. Pourquoi j'ai glissé à la fin? Il y avait rien, j'y avais pas de banane. Oui, mais si, t'as trop fait de dérapage longtemps et du coup après il a tourné ton perso. Quand tu dérives trop, tu dédrives. Il y avait un grain d'herbe. Je savais pas. Non mais ce circuit est honteux. Pourquoi il y a pas la musique? Mais si on fait replay, vous verrez que pendant un tour, j'ai pas fait de tournée. Il y a pas de replay. Pas possible. Il y a pas possible de revenir là. Je crois que c'est les musiques que tu as quand tu joues en mode solo. Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup d'ailleurs celle-là. Et vraiment, c'est pour moi la touche artistique de l'époque de Mario et tout ça, qui va avec Mario Paint, qui va avec c'était un peu super onirique, super dessin fait à la main, je suppose. C'était super à l'époque. C'était déjà la cocaïne? Non parce que j'avais vu qu'il y avait une tête de Mario et de Luigi avec un contour blanc bizarre. C'est étrange comme... Mais ils sont toujours heureux en même temps, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Je bête, ouais. Non mais super jeu. Non, mais on fait des personnages, c'est tellement d'émotions. On l'a dit redit, mais celui-là c'est vraiment un jeu culte. Ce qui est rigolo, c'est que c'est écrit 92 et le jeu est pas sorti en 92 chez nous. 93. Janvier 93. Ouais. Bah oui, mais c'est parce que. Tu te souviens que chez nous c'était quelque chose d'accepté. On savait, enfin, on l'avait en 93, mais on n'était pas choqué. C'était que ce toujours soit comme 92. Ça. Il n'y avait pas le piratage. On n'avait pas le choix, surtout, je pense. Bah ouais, mais donc, je sais pas, c'était pas contestable ou contesté en tout cas. Bah, imagine aujourd'hui, tu joues à Metal Gear 5 ou 6, je sais pas lequel va sortir prochainement. Le Rising. Rising. Bon, ok, bah celui-là, et puis tu vois une année de décalage, on tolérerait plus. Ouais, mais regarde, c'est important. Par exemple, j'ai acheté Portal 2, c'est écrit 2011. Si ça avait été écrit autre chose, j'aurais été vénère. C'est clair. Tous les jeux que t'achetais à l'époque étaient déjà en anglais quasiment. Donc, Oui. Surtout qu'on joue en ligne aussi. Hein, donc ouais. Tu vois, t'imagines si t'as un an de retard. Ouais. Et puis autant jouer à Stuntman in Nation. Hein. C'est la société qui change aussi, parce que regarde, les films au cinéma pendant très longtemps c'était ça. Les films sortaient aux États-Unis au moins 6 mois avant. Et aujourd'hui c'est des sorties mondiales. C'est la société. Pardon, excuse-moi, mais ton début de phrase m'a fait rire. C'est la société qui. T'as pas que des problèmes. La société. Mais tu vois, c'est en anglais. C'est pas gênant en fait. Hein. J'ai appris d'ailleurs, c'est rigolo, c'est en Russie, ils font pas de doublage. En fait, ils font comme dans les documentaires, ils doublent au-dessus des voix. Ils doublent par-dessus, ouais. Et c'est dans les pays de l'Est. C'est honteux, c'est horrible. Les films, moi j'ai vu un jour Nikita, j'étais trop content. Donc au fond, t'entends la VF, et au-dessus, t'entends un mec qui fait toutes les voix, il fait. C'est une expression qui fait l'espèce d'incantation. Les Russes doublent les films comme des documentaires. Je pense que c'est pas cher. Ah bah oui. C'est moins cher. En fait, ça fait que la vraie traduction, comme lors d'une interview. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors là, aujourd'hui, je sais pas. C'est exactement ça. Ouais, à la grande époque de TPS, tu pourrais regarder des films comme ça. C'est moche. Oh, c'est moche. En tout cas, voilà. Pornos, on s'en fout. Super Mario Kart, c'est vraiment. Alors, on a un débrief, c'est que les amis, vous n'avez toujours pas été brillants. Mais non, combien de podcasts on doit faire pour que vous soyez premier et deuxième? Prenez les manettes. C'est peut-être la course. On fait pareil. Oh là là, le Bourville. Mon vélo. Non mais ce circuit-là, il est vachement dur. Enfin, moi je trouve qu'il est vachement dur. Oui, mais alors je suis d'accord avec. Il est super dur, mais c'est vous qui avez tout de suite crâné en disant on fait la spéciale. Mais oui. D'accord. Alors tu veux faire une autre course? Vous voulez faire une autre course? Mais non, mais je reste persuadé qu'il y a un raccourci. J'ai joué. Si on regarde, j'ai joué presque 2 tours sans faire trop de conneries et impossible de remonter. C'était le problème de Mario Kart à l'époque. En 150. Non, c'était pas le pire. En 50, tu mettais 10 km à tout le monde. En 150, tu prenais des volets. C'est vrai. Mais tu vois, sur celui-là, je trouve que c'était pas trop abusé. Parce que sur celui, sur GameCube, par exemple, ou même sur Nintendo 64, t'avais beau rouler comme un barbare, comme un gros putois. T'avais toujours des mecs derrière. Si tu prenais une soucoupe à la fin, voilà, t'étais perdu. C'était insupportable. C'est ça que j'ai pas aimé par la suite. Vous trouvez pas que ce qui est quand même assez bluffant dans le jeu, c'est peut-être à cause du mode 7, mais je trouve que l'inertie des véhicules est très bizarre en fait. Le dérapage, on le contrôle plus. Non, tu contrôles rien. En fait, il part de 3 quarts. Tu contrôles rien. Et je me souviens de la notice. Étant plus jeune, non, je voulais l'avoir à la maison. Mais chaque personnage était plus ou moins apte à rouler sur un type de terrain différent. Ah bah ouais, bah sérieux. Déjà sur Super Nintendo. Et chaque personnage avait sa faculté. Yoshi était balèze sur le monde chocolat, une tournée comme ça. Mario sur le bitume, sur sa course, en fait, c'est par rapport à leur course. Il y avait un truc rigolo, c'est que chaque adversaire avait qu'une attaque. C'est-à-dire que la princesse Peach ne pouvait que te rétrécir. Donkey Kong pouvait t'envoyer que des balles. Rétrécir, c'était un truc avec des cœurs ou je sais pas. Quoi, non, de ça. Dans une sorte de petit champignon en fait. Là, j'ai envie de dire, je vous dis des conneries quoi. Non, je t'assure que là, l'éclair, tout le monde pouvait l'avoir pour rétrécir les gens. Oui, toi en tant que joueur, mais tu jouais contre l'ordinateur ne t'attaquait qu'à. Mais tu joues contre 7 autres, donc au final, ils ont toutes les attaques, on s'en branle. Ouais, mais l'ordinateur, tu dis des conneries, plus ou moins. Sors de là, mais ça m'énerve. Dehors, je m'inscris. Comment tu veux dire, ah, c'est elle qui me l'a envoyé. C'est-à-dire que quand tu. En fait, et en plus, chaque personnage que tu choisis avait son adversaire attitré. C'est-à-dire que si tu jouais avec Donkey, généralement c'était et c'est qui l'adversaire de Toad?
On se demande. C'est un gros gommier. C'est Stevie. Je sais plus avec quel personnage il fallait jouer pour avoir comme ennemi Mario ou Luigi, qui étaient toujours, enfin, du coup, premier ou deuxième. Mais eux, c'était horrible parce que leur coup spécial, c'est d'être invincible. Et du coup, dès que tu les frôlais, et le boule de dégagé. Feu, non. Non. Non, c'était un Hadouken. Hadouken. Oh, putain, non, ouf. Non, mais c'est bien connu. Luigi faisait venir un hélicoptère avec des bazookas. Hadouken. Malade. Ouais, mais il jetait aussi les bonus sans pour autant rouler sur les cases, quoi. C'était horrible. Ouais, ouais. Enfin bon. Mais ouais. Bon. Le pire pour moi, c'est les options qui disparaissaient une fois pour toutes. Ah oui. Alors que ça revient maintenant dans les nouveaux Mario Kart. Ah bah non, moi je connaissais pas, quand tu les finissais complètement. Mais sinon, ce soir complètement à côté du jeu. Mais non, mais elle revenait, il y avait des cœurs. Non, je connaissais pas, mais je trouvais ça pas trop mal en fait. Parce que ça apportait une dimension un peu tactique en fait au truc. D'accord. Bah oui, plus parce que là où tu passais le plus souvent, les cases n'y étaient plus. Tu faisais ah l'enculé. Là je dois la prendre courte et perdre du temps pour avoir l'option. Et au final, ton option est le temps. Alors toi, tu sais très bien qu'on préfère la prendre longue. Et d'ailleurs, c'est le premier, le seul. Non, il y a sur Game Boy Advance. Tu avais aussi des pièces, mais après dans les autres jeux il n'y en a pas. Les pièces influencent sur la vitesse. Ouais, moi j'ai arrêté, hein, ouais. Vous le savez que j'ai arrêté les Mario Kart. Ouais, vraiment plus de pièces aujourd'hui. Ça a disparu après Super NES, ça a disparu. C'est tellement génial le dernier tour quand t'as 25 pièces, t'es pas tombé une seule fois d'aller plus vite que les autres. C'est revenu sur Game Boy Advance. Ah, ça c'est une tuerie. Et sur Game Boy Advance, quand tu fais en premier et avec la blinde d'étoiles, enfin de pièces, t'as plus d'étoiles sur tes courses. T'as un meilleur rank. Voilà, donc c'était. Meilleur rank. Rank. Je trouve ça extraordinaire. On en reparlera plus tard, mais sur Game Boy Advance et DS, apparemment, je l'ai pas fait. Bah, mais Game Boy Advance, il m'a mis une gifle et c'est vraiment l'un des meilleurs pour moi. De loin, de loin. Bon, je coupe la musique Mario Kart. Hein, sur au revoir Mario. Au revoir Mario. Merci à toi. Oh, téléphone. Quelqu'un en profite.